que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau... Je vais vous demander un petit peu. Un nouveau haul. J'ai changé de place, je suis mieux assise par terre. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis mieux calée. Aujourd'hui, on se retrouve pour des vêtements. Alors, je voulais attendre de tout avoir reçu parce qu'il y a du Vinted. J'ai fait plusieurs commandes Vinted, je crois que j'en ai fait 4. Et j'en ai reçu qu'une pour l'instant. Mais j'ai également eu une grosse, un gros lot de chez Le Bon Coin. Et qui est assez conséquent, donc je voulais peut-être pas tout faire en même temps, je vais voir déjà combien de temps ça dure, et si ça dure pas énormément de temps, je vous rajouterai au fur et à mesure, pardon, les hauls vêtements. Bien sûr, vous l'aurez bien, enfin vous l'aurez après l'annonce du sexe de bébé, tout simplement. Nous, on a eu une bonne estimation, ce qui était à, qui a confirmé, on confirme lundi, mais à ce stade-là, on a très peu de chance de se tromper, surtout puisqu'ils nous ont annoncé, hein, vous l'aurez vu dans la vidéo ici, j'espère qu'on s'est pas planté. Si vous voyez ce vlog et puis qu'au final, enfin si vous voyez ce haul et qu'au final avant je vous ai dit que c'était pas ça, je vais passer pour un peu une cucule à praline. Bref, donc on nous a estimé petit garçon, voilà, tout simplement. J'ai eu l'estimation à 19 semaines d'aménorrhée, donc autant vous dire que ça aurait été une fille, j'aurais peut-être eu un doute, mais un garçon, je ne pense pas qu'il y ait de doute. Je pense que le gynéco a vu le service 3 pièces, hein, comme on dit. Donc du coup, j'ai fait des petites commandes. Donc il y a du Vinted, comme je vous ai dit. Il y a des cadeaux qu'on nous a fait. Et il y a du Bon Coin. Donc c'est parti avec Vinted. Donc c'est une dame à qui j'ai pris un lot. J'en ai pour 15 euros chez elle. Donc à côté du lot que je vais vous montrer après, effectivement, ça fait cher. Mais j'ai trouvé trop trop beau, vous allez voir. Donc il y a tout d'abord... Alors... C'était pas vendu comme un ensemble, mais moi je pense que je vais le mettre ensemble. Donc c'est du 3 mois, c'est du tape à l'œil celui-ci, donc c'est un petit haut comme ceci, avec marqué petite fripouille. C'est trop mignon. Et avec, je pensais mettre cette petite salopette, c'est cargo. Je sais pas de qui ça vient, ça cargo. Je me demande si c'est pas la halle. Je sais pas, l'étiquette est un peu effacée. C'est sucre d'orge. Je sais pas qui c'est qui fait sucre d'orge. Mais c'est sucre d'orge. Donc c'est une petite salopette comme ceci en jean. Elle est trop chouki. Avec marqué derrière ceci. Docker. Et je me dis que l'ensemble... Je vais vous montrer ce que ça donne. Mais l'ensemble peut être trop joli. De toute façon, tout va avec tout. C'est... Je vais m'amuser à faire des petites tenues. Pire qu'avec une fille, je pense. Voilà, petit haut avec une petite salopette. Je pense que ça peut faire sympathique. Voilà. Ça fait trop chouette. Donc voilà, une première petite tenue. Ensuite, il y avait un petit jean avec. Petit jean aussi que j'ai pris taille élastique comme ceci. Donc ça, c'était en 3 mois. Ça, c'est également du 3 mois. C'est du tape à l'œil. Voilà, petit jean. Hop, voilà, c'est trop trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Ensuite, il y avait un autre ensemble. Donc, un petit pantalon effet. Bon, l'élastique est un peu détendu. Je viens de voir ça. Au moins, il sera à l'aise. Mais oui, je viens de voir que l'élastique est un peu détendu. C'est pas grave. Un 3 mois de tape à l'œil. Donc, petit pantalon gris. Comme ceci. Voilà, tout simple. Avec le petit haut comme ceci. Voilà, donc ça fait... C'était vendu ensemble. Voilà, donc ça nous fait encore un petit ensemble. Et j'aime... En fait, ce serait une fille, ce serait différent, mais... Pour les petits garçons, j'aime beaucoup faire des ensembles. Moi, comme ça, je suis sûre que ça va ensemble. Ensuite, elle vendait deux ensembles, mais vraiment complets. Donc, il y a les chaussettes, le pantalon et le haut. Donc ça, c'est en 6 mois. Donc c'est ce petit haut-là. Voilà, bleu, gris et bleu marine, il est très très beau, enfin, un petit polo comme ça, enfin moi je kiffe, je sais pas vous mais moi j'adore. Hop, avec les petites chaussettes assorties, c'est trop kiki, et le petit pantalon comme ceci avec les petites moustaches de chat, c'est trop mignon également. Ensuite, on a un deuxième ensemble. Alors, les petites chaussettes, donc elles sont roses et bleu marine. Elles sont trop chouquies. Avec, vous avez donc le petit pantalon.
comme ceci avec les poches sur le devant à scratch. Oui, c'est à scratch. Petite poche. Trop mignon. Et ça, c'est en 3 mois, je crois, celui-ci, hein, d'ensemble. Oui, c'est en 3 mois. Par contre, je ne sais pas du tout de qui ça vient. Il n'y a pas de... Avec le petit polo, comme ceci. Rose et bleu marine. Je le trouve trop, trop mignon également. Et le petit gilet. Voilà. Donc ça, c'était chez la personne chez Vinted. Voilà. Plutôt un bon lot. Voilà. Ensuite, on nous a offert des petites choses. Donc, il y a deux bodys en 6 mois qui viennent de chez Verbaudet. Donc, on a un comme ceci, gris. Le Roi Lion. Voilà. Qui est très joli. Et un blanc. Également, le Roi Lion. Ma maman a dû avoir une intuition. Je sais pas, elle m'a toujours dit, je suis persuadée que c'est un garçon. Bon. Comme quoi, l'intuition des mamans, des fois. Et un petit pyjama, donc comme ceci, qui vient de chez Gémeaux, qui est trop trop mignon, en taille naissance. Voilà, comme ça, j'aurai un petit peu de naissance. Il est trop beau, j'aime beaucoup. Avec les petites griffes sur les pattes. Et ensuite, un petit blanc. Donc celui-ci, vous allez le reconnaître, puisque moi, je l'ai pris en un mois également. Et là, elle me l'a pris en taille naissance, donc c'est plutôt pas mal. Et je l'aime beaucoup. Et en fait, ce que j'aime bien dans les pyjamas un mois et naissance, c'est avoir l'ouverture sur le devant, voilà, pour me familiariser avec l'habillage de bébé. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. Et la deuxième, je vous cache pas que le carton est énorme. J'espère que j'aurai assez de batterie. Donc dans cette commande-là, il y a deux choses que je ne veux pas et deux petites choses qui sont tachées mais qu'on va réussir à récupérer, je pense. Donc tout d'abord, on a ce petit pyjama, donc c'est tout du 6 mois. Hein. C'est tout du 6 mois, celui-ci, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, le petit bas, en bleu électrique, si je puis dire, avec le petit haut blanc, qui vient de chez Sucre d'Orge. Voilà, c'est chez Sucre d'Orge. Donc blanc, avec un petit liseré bleu, voilà, tout simple. Ouais, je ne suis pas fan, mais ça fait toujours un rechange. Je me dis qu'avec un bébé, un rechange, c'est jamais de trop. Un petit body en 6 mois, pareil, je suis pas fan, mais c'est un body et ça sert toujours. Qui vient de chez Inextenso, donc ça je sais plus c'est qui. Ensuite, un autre ensemble, donc là c'est un body, c'est du pareil au même. Donc il est comme ça, il est rayé bleu et blanc avec un petit dessin. Et avec, vous avez le pantalon, hop, comme ceci, en bleu électrique. Et avec un petit dessin sur le popotin, voilà, c'est trop trop mignon. Hop, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai bientôt plus de batterie. Tac. Ensuite, un petit gilet rouge. Comme ceci. Ouais, trop trop mignon. Et c'est celui-ci vient de chez Verbaudet. Voilà. Trop trop mignon, trop chou. J'aime beaucoup trop. Ensuite, on a la blinde de pantalon. Donc on a ce petit pantalon, ce petit jean. Je ne sais pas d'où il vient. C'est ça qu'il y a sur l'étiquette. Petit nounours si vous connaissez. Donc c'est celui-ci, baseball, marqué. Et avec, il y a ce petit haut. Voilà, ce petit polo gris. Et je trouve ça trop, trop chouki, trop kiki, trop mignon. Beaucoup trop de mignonnerie. Ensuite, un autre petit jean. Pareil, comme ceci. Voilà, avec des petits écussons, hein, tout simple, mais qui est pas mal. Un autre jean que j'aime beaucoup. Alors oui, je sais, les jeans avec ceinture réglable, donc ça c'est cool. Un Lulu Castagnette, donc ça lui doit venir de chez Gémeaux, avec la petite poche, etc. Les détails, enfin, trop chou. Un autre jean, comme ceci. En tout cas, la dame avait de très très bons goûts. Là, c'est une dame qui est quand même assez jeune, elle doit avoir... elle est un peu plus âgée que moi, mais elle avait très bon goût, donc ça c'est très très joli. Un autre qui est un peu plus... qui change un peu de l'ordinaire, qui est taille élastique et qui est chaud, celui-ci. Je vous ai pas dit, mais je sais pas d'où ça vient. Il y a du Yo Baby, il y a du Gémeaux, il y a du Leclerc. Ensuite, celui-ci qui vient de chez Petit Bisou. Je sais pas de chez qui c'est, mais voilà, c'est un petit pantalon comme ceci, marron. Voilà, qui est plutôt pas mal avec la petite patte d'ours. Voilà, c'est sympathique. Ensuite, on a encore une petite veste gilet Batman qui vient de chez Gémeaux. En plus, les cils de la dame, elles sont trop trop bons. Avec sur la capuche les petites oreilles et les petits yeux. Trop chouki.
un petit pull bleu marine avec un mica dessus qui est très très joli avec les boutons là, donc ça c'est un petit sweat à capuche, voilà, il est trop trop mignon également. Ensuite, ça c'est le chat qui a voulu qu'on garde, donc c'est de la marque Kitchun. C'est une petite combinaison comme ceci. Voilà. Moi je suis pas très très fan, elle est blanche et taupe, voilà, elle est chaude quand même. Donc il a voulu la garder, on la garde. Il a le droit de choisir aussi. Ensuite, un autre petit pantalon qui vient de chez du pareil au même, il est jaune et gris. Bon, celui-ci, ah si, il y a quand même le réglage, mais il est... Je suis pas... voilà. Je sais pas si je le mettrai, donc c'est un petit gris comme ça et jaune avec un petit dessin sur le côté. Voilà, trop trop mignon. Ensuite, un autre gris tout simple qui lui vient de Les Petits Babies, dont je sais pas c'est chez qui, mais il est tout simple. Resserré au patoun là, ah, aux chevilles. Faut que j'arrête avec les patounes, enfin les choses comme ça. Un autre qui vient de chez Leclerc qui est très très élastique celui-ci. Avec la petite ceinture. Bon, la ceinture est un peu abîmée, mais c'est pas grave, c'est une ceinture. La petite ceinture, voilà, comme ceci, en matière toile, qui change des jeans. Un autre que j'aime beaucoup, pareil, en matière toile, qui vient de chez Leclerc, qui est taille élastique, comme ceci, rayé bleu et gris. Très sympa, petite poche, enfin, tout mignon, tout ce qu'il faut. Un autre jean pour lequel j'ai craqué, parce que je l'ai trouvé trop trop beau, qui vient de chez Tape à l'œil, okay, si j'enlève la pression. Donc qui vient de chez Tape à l'œil. Bon, celui-ci il n'est pas réglable, mais la taille est élastique. Petit. Regardez-moi ça, comme c'est trop mignon. Enfin, ouais, moi je fais des petites poches. Ensuite, on a un lot de 3 pyjamas de Noël. Alors j'espère qu'il mettra du 6 mois à Noël. Qui vient de chez Influx. Donc je me demande si c'est pas Leclerc. Influx, je sais pas. Je ne sais pas. Donc il y a le petit Père Noël. Le petit lutin. Voilà. Et Rodolphe, le petit renne. Voilà, il va être trop mignon avec ça. Pour Noël, ça va être trop, trop choupinou. Autre pyjama. Encore un de Noël. Enfin, oui. Celui-ci, c'est un Mickey. Je l'adore. Il est gris, des petites étoiles. Pareil, trop, trop, trop. Trop, beaucoup trop mignon. Un autre avec un petit chat et des moustaches. Voilà, qui vient de chez Gémeaux. L'autre venait aussi de chez Gémeaux. Voilà, avec les petits poissons sur les poches. Enfin, trop chouki. Restez là. Ensuite, un autre pyjama. Donc ça, c'est un ensemble. Petit haut bleu comme ceci. Avec le petit pantalon et les petits pieds. Voilà. Vu que ça peut être aussi sympa de changer un petit peu des pyjamas une pièce. Ensuite, un autre pantalon effet jogging. Donc voilà, ça c'est les 101 dalmatiens. Et on a notre mascotte Nounou qui est là, donc Lucky. Voilà, un petit clin d'œil à notre Lucky national. Ensuite, on a une petite salopette comme ceci, avec marqué Navy Rock, bleu, jaune et grise. Voilà, elle est rayée, elle est très très belle, j'aime beaucoup. C'est beaucoup trop choupi, enfin... Ils font des choses beaucoup trop choupies pour les enfants. Qui vient de chez Gémeaux. Ensuite, une autre salopette. Celle-ci, je ne sais pas de qui ça vient, d'où ça vient. Pas de qui, mais de où. Hop. Attendez, je referme. Hop, une pression au moins. Une petite salopette avec un petit camion de pompiers. Très joli également. Ensuite, un autre pantalon beige. Celui-ci, il est un peu plus chaud. Qui vient de je ne sais où. Et il n'y a pas l'étiquette, donc il est tout simple en beige. Comme ceci, avec les petits... Voilà, les petits... le resserrage qui est... L'élastique qui est rayé. Après, on a tout un lot de body manches courtes. Tout ça de body manches courtes. On a du Lee Cooper. En rouge. En bleu. On a du comme ceci. On a du comme ça. On a du Mickey aussi. On l'a en rouge. Et on l'a en bleu. On a du petit lapin. On a du comme ceci.
Après, si ça se trouve, c'est un bébé qui aura très très chaud et du coup, ça ira parfaitement. On a un petit ours en bleu et blanc. On a le petit ours en bleu clair et bleu ciel. Et on a le petit ours en gris, blanc et jaune. Ah non, petit lapin, pardon. Là, on a un petit chat ou un petit lion. Et un petit lion. Et voilà, les animaux de la savane. Ensuite, on a une petite chemise rayée bleue. Elle est trop trop chouki. Non, vous trouvez pas, elle est trop trop mignonne. On a un petit pull Lulu Castagnette rouge qui ira très bien avec le jean clair que j'aime beaucoup. On a un petit pull comme ceci, bleu. Très très bleu clair que j'aime beaucoup. On a un petit pull chaud rayé comme ceci, blanc, gris et marine. Ouais, c'est du bleu marine. Un petit haut bleu marine comme ceci. Un petit haut jaune comme ceci. Avec la famille Renard. Un petit haut bleu comme ceci. En route pour l'aventure. Vous voyez, les dessins sont nickel. Donc, enfin, une petite cravate. Et les deux, il y avait deux petites pièces tachées. Donc, c'est une chemise blanche. Et un pull bleu avec marqué cool dessus. Voilà un petit peu tout ce qu'il y avait dans ce gros lot. Donc pour tout ça, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Mais j'en ai eu pour 20... Il faut que j'étende ma jambe, c'est des fourmis. Pour 20 euros. Donc autant vous dire que là, tout ce que je vous ai montré, donc le gros carton plus le petit carton, j'en ai eu pour 35 euros. Donc je suis très très contente. J'attends encore donc 3 commandes. Vinted, une commande vers Baudet et après j'ai encore une commande à faire chez Tiabi, une chez Gémeaux, une chez vers Baudet, une chez Orchestra, une chez Tape à l'œil et après on est bien niveau vêtements. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, vu le temps qui ça fait, oh, je referai un autre haul moi comme ça, voilà, ça vous en fera plusieurs. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre pièce préférée. Moi je suis red dingue d'un peu tout, voilà, tout simplement. Au final, je trouve des choses très très mignonnes. Donc voilà, j'ai hâte de lui faire son petit dressing avec ses petites tenues. Et puis voilà, en tout cas, il ne va pas se retrouver tout nu, ça c'est sûr. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous. Bisous. Maintenant, le plus lourd, ça va être de se relever. J'ai des fourmis dans la chambre, c'est horrible. Oh, faut pas que je croise les patounes. Allez, on va se relever.